Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai pas envie de faire quoi que ce soit d'autre aujourd'hui que de bricoler tranquillement ma smart jusqu'à trouver la panne et la réparer minutieusement, étudier le circuit électrique, trouver ce qui va pas. Donc, je vais décharger la remorque et je vais sans doute aller chercher ce qu'il faut de plus et on va faire les coffrages. C'est pas comme si c'était les vacances, hein, faut pas déconner. Il y a des obligations et il y a des délais qui courent pour la piscine. Parce que c'est pour ça que je m'agite au final, c'est qu'il faut que dans un mois, le local piscine soit coulé, séché suffisamment et que j'ai monté le local piscine dessus. Ce qui présente un ensemble de problèmes, comme vous pouvez l'imaginer, en termes de délais. Il me faut des ferraillages, il me faut du fine polyane et il me faut de la mousse pour faire le tour du mur parce que je veux pas que la dalle soit intégrale au mur. Et en plus, je crois que c'est les normes maintenant. Bref, je veux de toute façon faire ça comme ça. Donc, on va se motiver, hein. Il n'y a pas à tortiller. Bon, voilà, je suis allé acheter ma ferraille, je suis allé acheter la bâche polyane, je suis allé acheter la bande de mousse. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire les coffrages, si ce n'est la motivation, mais ça, c'est pas grave, on va faire comme si je l'avais. Première étape, il me faut une planche de 4,70 m, 4,80 m et une de 2,10 m pour le coffrage du local piscine. On va commencer par celui-là, c'est quand même le plus important et le plus facile. Là, ça vous donne une idée du coffrage que je compte couler. J'adorerais aller jusqu'à la porte, mais je ne suis pas sûr d'avoir assez de béton. Déjà là, on joue avec les limites. Je coulerai sous l'escalier, toute la longueur, et là. Reste à mettre les coffrages au bon, enfin les planches de coffrage au bon niveau et à remblayer. Petit détail, avec le laser en pleine journée, je peux rien faire. C'était pas un problème, je l'avais acheté pour faire des cloisons en intérieur. Là, c'est plus un problème avec le soleil. J'ai aussi fait ma planche de 4 mètres, elle fait 4,80 m finalement, mais c'est pas grave parce que c'est la partie longue. Et la petite de 2,10 m en dessous, qui viendra se prendre dans la grande. Et je vais emmener ça là-bas, tout en fin de journée, de façon à pouvoir les mettre en place. Et ensuite, je viendrai niveler ici, puisque je serai à l'abri. Donc je vais commencer par aller faire celui là-bas, et je viendrai mettre à l'abri. Il va falloir ramener une certaine quantité de terre. Ça ne fait aucun doute, il va falloir creuser un peu le sol. Je pense que ce sera l'occasion d'essayer mon marteau Lidl ou la pioche. Je vais voir ce que je préfère. Là, c'est du sable, ça devrait aller assez bien. Là, ça va être moins drôle, mais je suis pas sûr que là j'ai besoin de beaucoup creuser en fait. Je pense que j'ai un peu à l'enfoncer à l'avant. Mais il me semble qu'au fond, je suis peut-être même en dessous de mon niveau définitif. On va voir. On va bien voir ce que ça donne avec le niveau laser quand il sera opérationnel. Ah, c'est pas simple, hein. Voici ici le niveau souhaité. Donc vous le voyez peut-être sur la dalle. Je sais pas si vous le voyez correctement le laser ou pas dans la caméra à chaque fois. Parfois ça marche, parfois ça veut pas. Là, c'est trop bas puisque le laser touche pas à la planche de 20 cm de coffrage. Là, c'est un peu trop haut, donc on va creuser là-bas. Je vais piocher ce qu'il faut pour le remettre à plat. Il faut aussi que je retourne la planche de coffrage puisque le raccord n'est pas du bon côté. Mais c'est pas grave, là-bas il faut piocher un peu et surtout il va falloir sérieusement ramener de la terre. Ce qui n'est pas grave, de la terre j'en ai plein, c'est pas un souci. Dans le jardin, avec madame, on a posé le coffrage, mis à niveau, calé le coffrage, pris les mesures pour s'assurer que c'était d'équerre et on a commencé à remettre de la terre. Beaucoup de terre, enfin pas beaucoup de terre, de la terre. Il en faut quelques centimètres sur toute la surface, plus ou moins. Mais en haut ça va, mais c'est pas parfait. J'ai trop creusé, mais l'épaisseur de l'herbe était telle que, en voulant être au-dessus et en visant 8 cm de dalle, j'étais déjà trop creux en enlevant juste l'herbe. J'aurais juste pas dû enlever plus. La bonne nouvelle, c'est comme j'ai laissé un tas à côté, c'est facile de remblayer. Et puis ça, je vais le finir demain. Vous le finirez avec moi. On va faire des pelletées de terre pour me faire un tas de terre. Et comme ça, demain, quand le soleil commence à s'atténuer, je peux le vérifier au laser, le tendre une dernière fois. Il n'y a plus qu'à poser la bâche et les ferraillages. Je mets la bâche, non pas parce que je suis anti-mouvement, pas de bâche polyane à l'extérieur. Il y a un commentateur qui m'en a fait la remarque. Je mets la bâche polyane parce que je pose du béton autoplaçant qui nécessite des coffrages étanches. Qui dit coffrage étanche, dit bâche polyane. Il n'y a pas de miracle. C'est du béton plus liquide, beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin de le vibrer ou de le tirer à la règle.
Il suffit de le débuler et on a une dalle plate. C'est un vrai bonheur. C'est ce que j'ai fait pour les autres dalles. Et je fais le même maintenant parce que j'ai pas le courage de faire autre chose. Tirer à la règle tout ça tout seul, je le fais pas en plus de l'autre, clairement. Hein, je suis pas complètement fou. Donc, petit épisode aujourd'hui, mais j'ai tout ce qu'il faut pour finir les coffrages jusqu'au bout. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain pour plus de coffrages.